Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un outil magique extraordinaire. L'oracle magique des sabbats de Marc Neu et avec des illustrations de Gaël Mas. Et comment vous dire, vous avez vu la taille de ce coffret? C'est normal, c'est parce qu'il renferme plein de petits trésors. Un en particulier, et on regarde ça maintenant. Alors nous avons une magnifique boîte livre, voilà, bien aimantée, la tâche tient bien. Alors on a une représentation de la roue de l'année, le dessus qui se présente vraiment comme un livre, également sur la tranche, très très joli. Plongez au cœur de la magie qui anime la roue de l'année. Cet oracle vous invite à célébrer les 8 sabbats, ces points clés de l'année qui rythment la vie, la mort et la renaissance dans la nature. Chacune des 48 cartes est une déclinaison des énergies spécifiques de ces fêtes sacrées, offrant des perspectives divinatoires, symboliques et magiques, ainsi que des conseils pratiques pour vivre en harmonie avec le cycle naturel de la Terre, de la Lune et du Soleil. Que vous soyez pratiquant expérimenté ou simplement curieux des voies anciennes, l'oracle magique des sabbats enrichira votre parcours spirituel. Il vous guidera à travers les solstices, les équinoxes et les célébrations agricoles traditionnelles. Avec des tirages spécifiques conçus pour exploiter le potentiel magique et divinatoire de chaque sabbat, ainsi qu'un poster de tirage, cet oracle sera votre compagnon idéal pour cheminer vers la sagesse des anciens et célébrer la beauté du cycle de la vie. Donc ce coffret contient un oracle de 48 cartes, ainsi qu'un livret explicatif de 208 pages en couleur et un poster de tirage qu'on a ici en représentation. C'est aux éditions Arcana Sacra au prix de 32 €, qui est un prix assez conséquent, je vous l'accorde. Mais en même temps, vous voyez la taille de la boîte. Voilà, voilà, ça explique tout ça. Sans compter la qualité, hein. Regardez ça. Magnifique. On a le petit cordon de soie pour aider à faire sortir le livre, donc on a un magnifique livret, c'est un livre à lui tout seul, hein. Très très beau. Ensuite on a ce fameux, ce qu'il appelle un poster de tirage, donc c'est comme un tapis en fait. Alors j'arriverai jamais à vous mettre ça dans le cadre. Alors attendez, je l'ouvre en à l'extérieur. On fait attention de ne pas le cramer sur la bougie. Oui, j'arriverai jamais à tout vous mettre, mais je vais faire ceci. J'essaye de vous faire un petit tour de l'oracle. Hop, je suis obligée de tourner dans l'autre sens. Alors, hop. C'est moi qui va se cramer les pattes après la bougie. Voilà. Et on finit avec le soleil. Donc on a vraiment des représentations de cartes. Et au centre, on a... Je vais pousser ma bougie parce que je vais finir par mettre le feu. Au centre, on a effectivement cette belle roue de l'année. Très, très jolie. Alors, je vais la pousser parce que ça va pas être pratique. Oh, j'ai pas vu le dos. Alors, au dos, on a ceci. Voilà. Je sais pas si vous voyez correctement. Retour écran, pas trop mal. Voilà, donc on a l'oracle magique des sabbats avec la belle édition Arcana Sacra. Très très chouette, c'était inclure un tapis de tirage comme ça pour le petit poster. Je trouve ça très sympa. Bon, je vais remettre ma bougie, on va éviter de tout cramer. Ok, et ensuite on a le petit paquet de 48 cartes. On verra après, mais honnêtement, les cartes sont très sympathiques. Elles sont pas trop grandes, les tranches sont neutres. Ça a l'air d'être de la très très bonne qualité. Bien, bien, bien. Voyons le livret. Alors. Les crédits. La première de couverture. Très sympathique. On a toujours la même gamme. Donc on a à propos de l'auteur Marc Neu. Il y a beaucoup à dire sur lui. Vous verrez ça après. L'avant-propos, la présentation. Les 8 sabbats et leurs cartes. Donc on a Samhain pour le 31 octobre, bien évidemment, le sabbat de la mort et de la renaissance, avec sa description.
Ensuite, nous avons Yule pour le 21 décembre, le sabbat du solstice d'hiver. Également, on a les origines historiques, etc. etc. C'est un vrai livre. Hein. Limbolk pour le 2 février, le sabbat de la chandeleur. Ostara pour l'équinoxe. Le Beltan, Lita, Lamas, on prononce aussi Lugnasa, Mabon pour l'équinoxe d'automne. Ensuite, on voit toutes les cartes du sabbat de Samhain, les cartes du sabbat de Yule, les cartes du sabbat d'Imbolc, les cartes du sabbat d'Ostara. Il est très complet, hein. Nous avons un très très bon livre. À chaque fois, vous voyez, pour l'explication du Beltan, on voit les origines historiques et culturelles, l'aspect mythologique, les pratiques magiques, en résumé, les cartes associées à Beltane. Ça, ça vaut pour tous les sabbats. Pour les 8. Voilà. Ensuite, à la page 161, on a les tirages. On a un petit mot de fin et les remerciements. Donc, bien évidemment, on ne va pas regarder les 208 pages. C'est impossible. Donc, à propos de l'auteur, je vous ferai un petit point après. On va juste éplucher le livre pour voir sa beauté avec des illustrations à tomber par terre. Et l'illustratrice, c'est Gaëlle Mass. Alors, l'avant-propos, pareil, voilà, je vous laisse faire une petite capture. Hop. Ensuite, la présentation. C'est joliment fait. Le papier, comme ça, glacé, c'est fort sympathique. Ah. Je vais essayer de vous faire une belle capture, là. C'est super bien fait. Croissance de la lumière, décroissance de la lumière. Ensuite, on arrive sur la période sombre, décroissance de la lumière, croissance de la lumière pour retourner sur Ostara. C'est vraiment bien fait. Très, très chouette. Ensuite, on a les 8 sabbats et leurs cartes. Jolie typographie, belle en tête. Là, on a une jolie couleur pour représenter Yule. Ensuite, pour Imbolc, voilà, on a un petit rouge. Ostara qui est représenté en vert pourpre. Le Beltan, un joli petit violet. Lita en jaune, c'est bien, ça représente les jolies couleurs. La masse, jaune plus prononcé. Mabon, c'est l'équinoxe d'automne. Ah, je vois ça, l'association avec la masse. On voit le pain, le pot de confiture, la fossile, le blé, le calice. Il a l'air très complet. J'ai hâte de lire les cartes du sabbat de Samhain. Comme on y arrive, on voit de belles illustrations. Hein. Samhain, la signification générale, les personnages, le caractère, la mission du moment, les correspondances et les actions magiques, la signification divinatoire et événementielle, la signification occulte du symbole, un conseil pratique pour la vie quotidienne. Ensuite, on a la représentation de la mort. Je crois que toutes les cartes vont être superbes. Les illustrations sont vraiment géniales. Alors, on va avancer jusqu'à la page. Il me semble que c'était 161, si je ne m'abuse. 161. Ah, voilà. On y est. Donc, le fameux tirage. Là, je vais vous lire. Cet oracle n'est pas seulement un moyen de divination, mais une invitation à un voyage à travers le cycle de la nature et les mystères de notre existence. À l'image de Samhain, pour le nouvel an des sorcières, ou Beltan, pour la célébration de la fertilité et de l'amour, chaque sabbat porte en lui une facette unique de la roue de l'année. Le tapis de tirage représentant la roue des sabbats est votre terrain de jeu et de découverte. Lorsque vous superposez les cartes tirées sur les emplacements correspondants au sabbat sur le tapis, vous créez des combinaisons pertinentes, révélant des messages importants et des perspectives nouvelles. Cette méthode permet une interaction dynamique entre les cartes et les énergies saisonnières, offrant une lecture riche et multidimensionnelle. Avec l'oracle magique des sabbats, les possibilités de tirage sont infinies, allant de méthodes simples pour les questions quotidiennes à des configurations complexes pour des interrogations importantes et poussées. Chaque tirage ouvre la porte à des heures d'interprétation détaillées, offrant des perspectives éclairantes et des conseils pratiques. Alors, on a le fameux tirage en croix sur la roue des sabbats. C'est représenté avec des chiffres.
l'évolution d'un projet ou de l'objet de la question. C'est très très bien détaillé. Je me recule un peu pour que vous ayez une meilleure visibilité. Ah oui, c'est très très bien détaillé. Comment va évoluer une relation amoureuse? Que dois-je faire? Quelles sont mes actions possibles concernant l'évolution de ma carrière au cours de l'année à venir? Et ensuite, à côté, on a les correspondances. C'est vraiment super bien fait. C'est un livret qui est extrêmement poussé. Ensuite, on a le tirage de la délivrance. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes aussi curieux que moi, avouez-le. Ce tirage est spécifiquement conçu pour répondre à des questions concernant les influences négatives, les malédictions ou les envoûtements, et pour donner des conseils sur la manière de s'en libérer. Ce tirage peut être effectué à tout moment lorsque vous vous sentez affecté par une influence négative ou un envoûtement. Il est conçu pour vous aider à comprendre la nature de l'influence négative, à trouver des moyens de vous protéger et de vous libérer, et à retrouver votre énergie positive. Très sympathique. 1, 2, 3, 4, 5 en opposition. Donc on voit l'influence Win, la protection avec Beltane, la libération Imbroc, la guérison et la résilience. On voit les exemples qui sont donnés pour vous aider à avancer avec ce jeu. Un exemple de tirage. Donc là on voit, si nous sommes à mi-février, vous commencerez par le prochain sabbat selon le calendrier, à savoir Ostara. Placez une carte pour chaque sabbat face cachée sur la position correspondante de la roue des sabbats. Interprétation, par exemple, pour Ostara. Vous retournez la première carte. Exemple, le crâne. Cette carte suggère une période de libération et de sagesse. Vous pourriez être appelé à libérer des pensées et des comportements limitants pour accéder à une plus grande sagesse. Pour la 2, Beltane, la prochaine carte est la mort. Cette carte indique une période de fin et de commencement. Vous pourriez être appelé à laisser aller ce qui ne vous sert plus et à embrasser de nouvelles opportunités. Ensuite, on voit avec Lita. La carte suivante est le soleil. Je vous mettrai la représentation sur ce coin-là, pour que vous puissiez suivre en même temps. Cette carte suggère une période de lumière, d'énergie et de force de vie. Vous pourriez être appelé à trouver votre propre lumière intérieure et votre énergie pour avancer dans votre vie. La masse. La carte suivante est le chat. Cette carte indique une période d'indépendance, de magie et de mystère. Vous pourriez être appelé à découvrir votre propre pouvoir et à suivre votre propre chemin, même si cela peut sembler mystérieux ou intimidant pour les autres. Pour la 5, Mabon. La carte suivante est la victoire. Cette carte suggère une période de réussite et de réalisation. Vous pourriez être appelé à célébrer vos succès et à reconnaître vos réalisations. Sowin. La carte suivante est la couronne de fleurs. Cette carte indique une période de beauté, de nature et de célébration. Vous pourriez être appelé à vous connecter à la nature et à célébrer la beauté de la vie. 7 pour Yule. La carte suivante est le mât de mai. Cette carte suggère une période de fertilité, de créativité et de célébration. Vous pourriez être appelé à vous connecter à votre propre créativité et à célébrer votre fertilité et votre vitalité. La 8. La dernière carte est la feuille d'automne. Cette carte indique une période de transition, de transformation et de beauté. Vous pourriez être appelé à traverser une période de transition dans votre vie et à découvrir la beauté et la richesse dans cette transformation. En réfléchissant à ces cartes et à leurs messages, vous pouvez obtenir un aperçu de l'année à venir. Chaque carte offre des conseils et des idées sur ce à quoi vous pouvez vous attendre et la manière de naviguer entre les défis et les opportunités qui se présentent à vous. Et là, pour celle-ci, une vision spirituelle de votre année. Avec ce tirage, chaque carte offre non seulement des conseils pour l'année à venir, mais aussi une pratique magique ou spirituelle que vous pouvez adopter pour vous aligner avec les énergies de l'année. Par exemple, la carte du crâne tirée pour Ostara pourrait suggérer une pratique de libération de ce qui ne vous sert plus, peut-être à travers une méditation ou un rituel de lâcher prise. De même, la mort tirée pour Beltane pourrait suggérer une pratique de transformation et de renaissance, peut-être à travers un rituel de passage ou une pratique de journalisation permettant d'explorer ce qui est en train de mourir et ce qui est en train de naître en vous.
Chaque carte offre une opportunité de se connecter plus profondément aux énergies de chaque sabbat et de créer une année de magie et de pratique spirituelle qui est en harmonie avec le cycle naturel de la Terre. En réfléchissant à ces cartes et à leurs messages, vous pouvez commencer à planifier votre année de pratique spirituelle en choisissant les rituels, les méditations et les autres pratiques qui vous aideront à vous aligner avec les énergies de chaque sabbat et à profiter pleinement de toutes les opportunités de l'année à venir. Ensuite, on voit le dialogue avec les esprits, très intéressant, avec la préparation. Et là, on voit qu'il y a une invocation. On voit les exemples de tirage. Ça, c'est vraiment ça. C'est un très, très bel ouvrage. Le tirage à double lecture. Là, on voit qu'il y a les cartes dans l'ordre naturel. Elles sont toutes placées. Très complet. Les deux axes d'interprétation, on les voit ici sur le petit dessin. C'est super, les schémas comme ça, vraiment bien organisés. Vraiment très très bien conçu. On a un très bel ouvrage, une magnifique conception. En même temps, Marc Neu, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le domaine de l'hermétisme. Donc, il gère très très bien sa thématique. Donc là, on a une petite biographie pour Marc Neu, pour Gaël Mars. On a les remerciements. D'accord. Très très bel ouvrage. J'adore les couleurs comme ça, très automnales. C'est vraiment très joli. On va regarder les cartes maintenant. Je bois un petit coup, excusez-moi. Okay. Alors le dos des cartes, on reste sur la base. Les tailles sont... Alors j'ai pas la taille en tête. Je vous mettrai ça inclus sous la vidéo. Elles ont l'air de bien glisser, excellente qualité, ça fait vraiment plaisir. Et c'est parti, on va regarder les cartes. Alors je me rapproche un peu pour que vous voyez mieux. Alors là on a Sowin pour la toute première. On ouvre le jeu avec Sowin. On voit derrière une planche Ouija, des bougies noires. Derrière on reconnaît une entité. La mort. Des cartes très simples. Ah oui, le crâne. Le chat noir. Il est majestueux. La sorcière. La porte. On change de catégorie. Yule. Avec la bûche de Yule, le on, symbole. Le soleil. Magnifique représentation. Je trouve très chouette. La bougie. L'amulette. Avec le symbole en son centre. L'offrande. L'offrande pour la 11. J'aime bien regarder les chiffres associés à la lame. Le bonhomme de neige. Force sympathique avec un pendule. Hop, on change à nouveau de sabbat. Je vais les reculer un petit peu pour vous montrer après. Imbolc. L'encens. Le papillon. Avec son cocon. La transformation. Le pentacle. Ou le bouclier. Le chaudron.
pour la 17. Le feu de joie. Hop, on change de sabbat. Ostara. La déesse. Le lapin. L'œuf. On va peut-être avoir un personnage, qui sait. La nature. J'adore. J'adore la carte. Le serpent qui fait sa mue, donc la transformation, la renaissance. Voilà. Hop, on va sur le beltane qui a un petit côté violet, toujours avec le symbole. Voilà. C'est vraiment super bien fait. Le ruban. Un fasting. Le feu de beltane. Eh oui. Oh, le chapeau de sorcière. Le choix-peau, quoi, de Harry Potter. Il y en a tout... Je pense qu'il y en a une paire qui vont l'avoir reconnu. Le mât de mai. C'est une belle couleur. Les fleurs. Ensuite, on est sur l'Ita. J'aurais jamais assez de place pour mettre toutes mes cartes. J'ai quelque chose que je vais vous faire remarquer, bien que vous, je pense que vous l'avez déjà vu. L'Ita. La victoire. La couronne de fleurs. Le cristal avec l'arc-en-ciel. Réflexion. La fée. La culmination du soleil. C'est pareil, là on a l'enfant, l'homme et le vieillard. Voilà. On a la trinité. Ensuite, le lamas. Le pain. Le pot de confiture. La fossile. Avec le sablier, très joli. Le blé. Le calice. Et le dernier sabbat, Mabon, avec la corne d'abondance. La balance. La grappe de raisin. La pomme. Le corbeau. Et la feuille d'automne. Et ce sont de très belles illustrations, très simples, avec toute la symbolique qui en sort. Alors, hop. J'espère que vous allez pouvoir voir les couleurs, le dégradé des couleurs. Voilà, je vais essayer de les mettre pour vous voyez en même temps les petits symboles, les petits détails qui font leur importance sur le jeu. Et voilà. Ok, alors pour chaque paquet des 8 sabbats, vous avez un liseré de couleurs différentes qui correspond aux encadrés du livre. Voilà. Ça correspond. À côté, vous avez également les petits symboles sur les 4 côtés. Voilà. Qui sont différents et qui répertorient les différents sabbats. Ok. Maintenant, on va voir si le jeu se bat bien. Mais en tout cas, je peux déjà vous affirmer que c'est une très très bonne qualité. Hop, bien là. Alors, au battage, ça va tout seul. Et je vais vous tirer une carte hein, pour voir toute la signification. J'aimerais bien tomber sur le corbeau, je vous cache pas. Non, je prendrai pas. Je veux piocher.
Non, ce jeu est très très bien. Par contre, je suis tellement habituée à avoir des jeux maintenant mastoc au niveau des tailles des lames que avoir un tout petit jeu, je suis plus habituée. Vlad, dis donc. Alors, il s'étale superbement bien. Pas de problème. Ça fait plaisir. Et je vous en tire une. Juste une. Ceci. Roulement de tambour. Le crâne. Oh, le crâne. Bon, on va pour le crâne. On n'ira pas loin dans le guidebook. Le crâne. Hop, hop, hop. Voilà. Oh, bah zut. Voilà. Le crâne. Alors, la signification générale. Le crâne est un symbole puissant qui représente la sagesse et la connaissance. Il peut indiquer que vous êtes en train de vous libérer des pensées et de comportements limitants pour accéder à une plus grande sagesse. C'est une carte qui invite à la réflexion et à la remise en question. Elle vous encourage à vous libérer des croyances et des habitudes qui ne vous servent plus. Les personnages. La carte du crâne représente une personne savante, intellectuelle, curieuse et qui aime découvrir de nouvelles disciplines. Elle peut aussi représenter vos ancêtres ou une personne de votre passé, défunte ou non. Elle désigne un mentor, un guide, une personne experte en son domaine. Le caractère. Le crâne est une carte qui invite à la réflexion et à la remise en question. Elle peut vous demander de remettre en cause vos croyances et vos habitudes pour accéder à une plus grande sagesse. C'est une carte qui exige du courage, car il peut être difficile de se confronter à soi-même et de remettre en question ses propres croyances. La mission du moment, la mission de vie du crâne est de vous aider à vous libérer des pensées et des comportements limitants pour que vous accédiez à une plus grande sagesse. Le crâne est là pour vous guider dans votre quête de connaissances et de sagesse intérieure. Les correspondances et les actions magiques. Le crâne est associé à la mort, à la sagesse et à la connaissance. Vous pouvez l'utiliser dans les rituels pour vous libérer des pensées et des comportements limitants afin d'accéder à plus de bonheur. Vous pouvez également utiliser cette carte pour honorer vos ancêtres et vous connecter à leur sagesse. La signification divinatoire et événementielle. Le crâne peut indiquer que vous êtes en train de traverser une période de remise en question et de libération. Vous êtes peut-être sur le point de dépasser des croyances et des habitudes clivantes pour accéder à une vie plus heureuse. Cette carte peut également indiquer que vous êtes confronté à une période de deuil ou de perte qui peut vous aider à vous connecter à la mort et à la sagesse intérieure. La signification occulte du symbole. Le crâne représente la mort, la sagesse et la connaissance. Il peut être utilisé dans les pratiques occultes pour se connecter aux forces occultes et de la transformation. On peut également l'utiliser pour se libérer de pensées et de comportements difficiles et accéder à une nouvelle version de soi-même. Un conseil pratique pour la vie quotidienne. Si vous tirez la carte du crâne, prenez le temps de réfléchir à vos croyances et à vos habitudes. Demandez-vous si elles vous servent réellement ou si elles vous limitent. Soyez courageux et affrontez vos peurs afin de vous libérer des pensées et des comportements qui ne vous servent plus. C'est une très bonne carte et franchement, j'adore comment c'est fait. C'est complet. Le livre, le guidebook, c'est un livre à lui tout seul. Hein. De toute façon, vous voyez comment il est façonné. C'est extraordinaire. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Et le jeu, bah écoutez, c'est un très bel outil magique. En particulier pour cette saison. Mais au moins, celui-là, vous pouvez l'utiliser toute l'année. Il est fait pour ça. En conclusion, on a un outil pour une praticienne en ésotérisme incroyable. La thématique employée afin de nous aider dans la guidance, dans la divination, à travers les différents sabbats de l'année, est juste incroyable. On a là vraiment une masterclass au niveau des oracles. Le guidebook, rien qu'à lui, son point le plus positif, bien que j'ai pas de points négatifs à déplorer sur le livre, c'est les schémas du plan utilisé pour les tirages. Vraiment, c'est extraordinaire. En plus, les exemples qui sont donnés, top.
Là, à la suite de la vidéo, vous pourrez avoir les liens et je vais vous montrer également les sites internet de Marc et de Gaël. Sur cela, pour les autres, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, hein, de partager, de vous abonner. Tu t'abonnes et tu actives la petite cloche. Voilà, comme ça, tu ne loueras pas les prochains oracles aussi bons que celui-là. Sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Le site internet de Marc, vous pourrez retrouver son lien en barre de description. On a une courte biographie, on voit ici ses compétences, hein, divination, alchimie, magie, donc principe de l'hermétisme. On voit ses prochaines masterclass, hein, parce qu'il donne des cours. Donc l'oracle qu'on vient de voir, le livre qui est à venir, hein, les magies des saints. On voit les cours en ligne qui sont populaires, donc on voit des prix qui sont affichés. Des fois, vous soyez intéressé pour prendre des cours auprès de Marc. Ensuite, vous avez toutes les descriptions et les crédits pour s'inscrire. Vous avez également livre et oracle. Vous avez absolument toutes ces parutions. Donc, entre autres, les carnets du sorcier. Et on a fait un petit paquet, très intéressant. Celui-ci en particulier, Pratique de la magie des anciens. Si vous êtes intéressé à lire un de ses bouquins, prenez celui-ci, il est extraordinaire. Et vous avez également son Facebook et son Instagram. Donc ici, c'est le site internet de Gaël. Donc gaelmas.com, mais bon, le lien, vous l'aurez en barre de description. Il y a un numéro de téléphone si vous désirez la contacter, parce qu'elle fait des photographies. Et également un courriel. Voilà, donc elle a une courte biographie en page centrale. Et vous pouvez la contacter et vous pouvez voir également les projets au niveau du design graphique et de la photographie. Donc si vous allez sur voir les photos, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'elle fait, sa patte photographique. Voilà. Et effectivement, vous avez des portraits pour le culinaire, argentique, belle choc, grossesse et naissance. Elle fait un petit peu de tout ça. Et ses illustrations. Vous avez un petit panel de ce qu'elle fait au niveau des aquarelles. Voilà. Thank you.